Là, ça tourne. Salut tout le monde, bienvenue à la Mézière pour la première édition du festival Zesnose. Quentin ici présent, Solal, ici c'est ton collègue Maël, et on est en train de faire tout en même temps. Il y a des grilles d'expo, il y a du vestiaire, il y a les loges, le catering, la table de mixage. On va probablement aller faire des courses bientôt, encore tester quelques petits trucs là-bas. On est super content d'accueillir tout le monde, et puis que dire de plus, let's go, c'est incroyable. Puissant comme agrume, je répète, puissant comme agrume. Monte un empire, mais t'as situé empire, ouais, c'est glissant dans la brume. Yes, yes, yes. Puissant comme agrume, je répète, puissant comme agrume. Dans le milieu, dur et c'est dur. J'arrête pas de brûler des stuts, fumer des purs. Putain de merde, je suis suivi. C'est sûr, c'est les stuts. Eux et nous, c'est comme les Turcs et les Kurdes. Quand je serai vieux et riche, j'aurai les plus belles femmes. J'écoute mon son dans Uber Van, je suis super fan. Mec, écoute, j'ai l'impression que je suis né pour ça, mec. Non, en vrai, ça se passe. Il y a les derniers petits rodages là. Forcément, ça monte un peu. Blocage, putain, les manifestants. Fallait pas bloquer Rennes, fallait venir aux Esnos, mec. Mais non, mais sinon, c'est carré. Salut à toutes et à tous. Ici, c'est Agrume, comme on l'a beaucoup répété, et on va encore vous le répéter beaucoup de fois. Moi, c'est. Il l'a dit, et je le dirais pas mieux que lui. Moi, c'est Yogensha. Du coup, voilà, moi, je fais de la zik avec tous ces bouts qui vont se présenter juste après moi. On fait de la zik depuis 4 ans. Moi là je commence tout juste à être dans le sérieux. On kiffe le rap, on kiffe y mettre les tripes. Je kiffe être real. Et puis si vous voulez check ma DA, elle est trop compliquée à expliquer. Donc allez Théma sur les plateformes. Et voilà, je vous remercie. Si, moi c'est Solal, aka Solal, aka Solal. Il n'y a pas de blase, il n'y a pas de pseudo. Même si y en a qui me connaissent sous le nom de Latardé, c'est Solal du coup. J'ai déjà répété 4 fois. Je suis rappeur, je suis parti d'Agrume. Putain. Du coup, on fait de la musique entre refs. Moi, j'ai sorti mon premier projet il n'y a pas trop longtemps. Il y a Zos qui a sorti pas mal de projets. Thibaut et Notboy qui arrivent sous peu. Et on fait de la musique avec le cœur. On essaye de faire ce qui nous plaît, tout en gardant une bonne DA et en faisant ça avec amour. Je crois que jusqu'ici, on réussit plutôt bien. Ça se passe bien. Ouais, là, on est aux Zesnos. Zesnos pour Agrume. C'est un festival qu'on a organisé avec des proches à nous. Il y a Randy, bête de rappeur, bête de showman. Sur scène, il n'y a pas beaucoup mieux. Il y a Mel, DA très particulière. Franchement, je ne saurais pas vous la décrire. Il faut venir voir ça sur scène, c'est assez incroyable. Il y a Nace, ça si vous avez envie de vibrer, si vous avez envie de danser, si vous avez envie de pleurer sur votre ex ou vous combler dans le doute, c'est parfait, mec, les gars. Nace, Ofa et Green Anthracite. Et on a aussi Diem et Eliwa, entre rap, pop, électro. C'est des monstres, c'est des incroyables. Impossible à décrire. Et enfin, on a Mac et Westerfield, les nouveaux Daft Punk, ça vient de Rennes. C'est anonyme, non, Mac et Westerfield, les gars, Mac et Westerfield. Cette année, ça va faire très mal. Et là, je laisse mon boy, Notboy, se présenter. Agrume aussi, let's go. Yeah. Moi, c'est Notboy, du coup. Putain, je sais pas où il est le capteur du micro. Je prends mon temps pour me sortir mes sons. J'avoue, je dois encore construire un peu ma DA, tout ça. Mais je connais Solal depuis 10 ans, frère, depuis que j'ai 10 ans même. Après, j'ai rencontré les autres petit à petit, on a gravité les uns autour des autres, on a commencé à se décider à faire du son, juste. Ça fait, comme a dit Thibaut, au moins 4 ans qu'on fait ça. On prend le temps qu'il faut, chacun on va à notre rythme, on est plutôt un collectif qu'un groupe. On fait des projets solo, après on se retrouve aussi bien en duo ou plus nombreux pour faire des plus gros projets. Là actuellement, le festival c'est le plus gros projet qu'on ait fait jusqu'à présent. Donc on est trop content, trop fiers d'être là, trop fiers d'avoir tout cet entourage autour de nous, même les médias et tout. C'est pète sa mère, juste on est trop content d'être là. Et je devrais arriver bientôt sur les plateformes. Avec notamment un projet commun avec Solal, petit EP de 3 titres. On va pas en dire trop parce qu'il faut garder du suspense. Mais putain, let's go. Et bah merci, pour finir, c'est dingue. En fait, on s'entend pas parce qu'il y a le balance de Libéral derrière qui ont fait un bisou. Libéral très chaud, faut les check. Et super fort, je sais pas du tout ce que je dis presque, j'ai du mal à m'entendre. C'est Zosterae à l'appareil de ce road long et agréable. J'ai sorti donc quelques petits projets avec ces gars. À noter quand même que ce canapé, c'est le canapé du studio qu'on a ramené. C'est vous dire à quel point on est chez nous.
en fait. Tout a commencé sur ce putain de canapé, dans un grenier. Et aujourd'hui, sa mère, on fait quoi? On fait un putain de festival et on rembourse la dette qu'on a envers tous ces gens qui sont tous des amours et qui sont trop chauds. Il faut aller écouter ce putain de rap René parce que c'est incroyable. Et il faut remercier ce canapé, putain. Remercier ce canapé. Même la table, tout est là. On a parti. C'est comme s'il y avait la Xbox devant. J'ai l'impression qu'on va jouer à Call of. C'est n'importe quoi ce qui se passe. Sauf qu'on a plus de temps. Mais ouais, c'est le Zestnose, putain de merde. On a plus de temps de jouer à Call of, Michael. La première édition du Zestnose est un réel plaisir pour tous les quatre, je pense. Et c'est tout pour moi, c'est tout pour nous, je pense, les gars. On va y aller. C'est parti. Je crois qu'il est temps de monter là. Bonsoir à tous, c'est un espère de ce que je viens d'arriver. Il y a beaucoup de gens que j'aime dans la salle. Allô, Zos, j'étais au cave, c'est pas l'eau, les balles sont perdues, pas contre allô cave, faut quand même qu'on glisse à l'autre sauce. Sceptique, on a bien écouté les conseils du père, suivi tous les rêves du fils, écrit en chaque butin le signe du Saint-Esprit. Maintenant tu sais ce que j'aime, austère, à ton tour de leur rap et fuir. L'infotique m'entraîne dans des trucs plus poissons. Pourtant ma vie elle est faite d'aucun mensonge. Jamais j'arrêterai de avancer la vie. Jamais me plaindre de raconter des narmes. Même pas pour combler le vide qui a raconté ta vie. Lâchez prise, faut lâcher prise. Et garder le carbone même dans force. Les mans à nous rend terrible. Et pourtant on n'a pas ces gens. Les rimes de départ deviennent fausses. J'oublie dans mon verre. J'oublie, j'arrive en enfer. J'arrive comme un feu pour t'en sortir. J'me retournerai, j'oublie ma guerre. Et mes sentiments, le star s'aligne, le passe-temps. Oh bah, je peux t'en dire plus d'un même. On va accueillir juste après. Ofa, Grillon Classique, Forum Base, aussi, si vous écoutez un petit peu. Et ça part tout de suite. J'ai pas connu l'équilibre, tu me prends bien pour ça. J'ai beaucoup de temps pour attacher.
On s'en bat les couilles, les gars. Bien sûr, je tiens à remercier les techniciens, les ingés sons, les ingés lumière qui fait un taf de malade mental. Merci les bénévoles qui sont 20-21. Les bénévoles, il n'y a rien, ils sont trop forts, merci à eux. Merci aux exposants, il y a des artistes derrière qui ont fait des peintures, c'est incroyable. Il y a... J'ai envie de citer les blazes parce que voilà, il faut rendre à César ce qu'il y a à César. Et merci à JB, au ingé son. Merci à Elliot aussi. Applaudissez les fans. Merci à Quentin qui était aux lumières. Sans lui, il n'y aurait pas du ces lives. Merci à tous les photographes qui sont venus. Je pense à Erwan, à Lou et tous les autres, vraiment, c'est incroyable. Merci
la mairie, merci le Valdil, merci à tous ceux qui nous ont donné des subventions pour faire cet événement. Et j'espère que l'année prochaine, on pourra glow up. La vie de ma race, dans 3 ans, on sera dans un champ, il y aura 3000 personnes. Et c'est ça qui...